Quelles sont les étapes indispensables avant d'investir? Je vais vous les détailler tout de suite dans cette vidéo. C'est parti! Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Zonta et je voudrais aujourd'hui vous parler d'un sujet qui est crucial, qui est quelles sont les étapes indispensables avant d'investir dans l'immobilier locatif. Je vous invite vraiment à écouter et à prendre en compte ces différents critères parce que c'est ce qui va permettre aussi d'aboutir au succès tout simplement de votre futur projet immobilier. Si c'est le cas, que vous soyez investisseur débutant, que vous pensiez à réfléchir, que vous ayez déjà des biens ou vous ayez beaucoup, beaucoup de biens mais que vous souhaitiez continuer massivement à développer votre patrimoine. Le sujet numéro 1, ça se passe toujours ici. Au départ, c'est une question de mindset. Vous ne ferez jamais investir quelqu'un qui n'a pas envie, qui n'a pas la bonne mentalité pour investir. Et c'est tant mieux parce que le but de l'immobilier et d'investisseur immobilier, ce n'est pas de se faire du mal, c'est au contraire de développer son patrimoine en ayant conscience des atouts que ça peut permettre. Donc, ça se situe toujours là-haut d'abord. C'est la volonté effectivement de faire fructifier son patrimoine. C'est le mindset et la volonté d'utiliser au maximum son effet de levier bancaire. J'en parle dans d'autres vidéos et j'en parle en séminaire, mais j'adore cette image parce que je trouve qu'elle est extrêmement vraie et représentative de ce qu'est l'effet de levier en banque. L'effet de levier en banque, c'est tout le monde a une capacité d'endettement et malheureusement, au final, si on regarde sur 65 millions de Français, bah, peu de personnes l'utilisent véritablement à leur profit. Tout le monde peut emprunter une somme, peu importe le montant. L'idée, c'est de pouvoir vraiment l'utiliser. Et je prends souvent cette image, c'est comme si vous rentrez chez vous le soir et que sur cette table, on pourrait imaginer, imaginons que la personne a une capacité d'endettement de 200 000 euros, bah, il y a 200 000 euros sur cette table. Tous les soirs, il rentre chez lui, il passe devant cette table avec ses 200 000 euros et il refuse de les faire travailler pour son compte. À l'inverse d'un investisseur immobilier qui va utiliser cet effet de levier, investir ses 200 000 euros. Et chaque mois, il y a une fraction de ces 200 000 euros qui lui rapporte de l'argent de façon complètement passive puisque l'idée, bien entendu, c'est de développer son patrimoine en achetant des biens et c'est le ou les locataires de ce patrimoine immobilier qui, par l'intermédiaire de la banque, vont rembourser votre patrimoine parce que vous avez créé de la valeur et parce que vous avez apporté de la valeur à ces locataires en leur procurant un toit et bien entendu en procurant un appartement parfaitement refait à neuf si vous souhaitez faire du meublé, meublé équipé avec une vraie valeur ajoutée. Donc d'abord, ce sera toujours une question mindset de celui qui veut développer son patrimoine, de celui qui pense qu'en créant de la valeur, eh ben, bien entendu, c'est normal, on peut en tirer des profits. De la même manière qu'un salarié va créer de la valeur à l'intérieur de sa société et va en retirer un profit, c'est exactement la même chose mais de manière complètement passive sans vous lever le matin. Et bien, ça va tourner pour vous et j'ai la chance de co-diriger la société investissement locatif qui va aider massivement chaque année des centaines d'investisseurs à dupliquer ce procédé pour vraiment s'enrichir massivement. La deuxième étape indispensable si vous souhaitez investir dans l'immobilier, eh ben, c'est connaître cette capacité d'endettement dont on parlait. Et donc, il faut absolument que vous ayez consulté historiquement votre banque, un courtier pour savoir de combien on parle. Parce que cette somme, combien on parle, c'est cette somme que vous allez pouvoir allouer dans votre futur projet, vos futurs projets si vous avez la chance de pouvoir en faire plusieurs. Et par conséquent, c'est vraiment ça qu'il va falloir déterminer parce que ça va vous guider pour savoir quel est le type d'opération que vous recherchez, quel est le montant de l'opération que vous pouvez faire. Ça va aussi extrêmement vous sécuriser parce que vous allez savoir que c'est possible et que si vous dites oui sur ce projet, alors vous allez avoir les moyens de l'acheter grâce au concours de votre banque ou du courtier. C'est une simple notion de crédibilité aussi, d'aller voir votre courtier ou votre banquier dès le début, de lui dire voilà, je souhaite passer à l'achat, à partir de quel montant, jusqu'à quel montant je peux m'endetter. Ça va vraiment pouvoir vous permettre d'être crédible aussi parce que quand vous allez retourner le voir, bah, il vous aura déjà vu une première fois, donc il sait que le projet est sérieux, il a déjà beaucoup de documents à vous. Globalement, vous arrivez juste à rajouter le compromis et la demande de financement peut partir. C'est une notion de crédibilité pour vous et c'est une notion de rapidité où derrière, ça ne va pas vous mettre en risque d'arriver proche d'une deadline, de conditions suspensives d'obtention de prêt, d'être stressé parce que ce n'est pas du tout le but de l'immobilier. Au contraire, c'est de procurer des revenus et donc de déstresser plutôt que de stresser.
Enfin, le troisième point indispensable avant d'investir que je peux vous conseiller, c'est que tout est un métier aujourd'hui. Si vous en avez les capacités de le faire seul, alors bien sûr, il faut le faire. Faut vous jeter dans cette magnifique aventure qu'est le monde de l'immobilier et le métier d'investisseur immobilier. Néanmoins, si ce n'est pas votre métier, si vous disposez de très peu de connaissances, si vous disposez de très peu de temps à allouer à ce projet, alors dans ce cas-là, c'est dans ce but-là que j'ai cofondé cette société d'investissement locatif. C'est pouvoir être un prestataire à forte valeur ajoutée au service de l'ensemble de nos clients qui se situent en France ou à l'étranger pour arriver à regrouper sous le même toit l'ensemble des compétences des commerciaux, des chasseurs immobiliers, des architectes d'intérieur, des personnes en charge du suivi de votre projet et de votre chantier, des décorateurs d'intérieur, des personnes en charge de la location, des comptables et des personnes en charge de la gestion de votre bien immobilier, donc de la comptabilité de votre bien immobilier. C'est aussi pouvoir vous permettre d'accélérer pour ne pas pouvoir passer par vous-même toutes ces étapes sans forcément, encore une fois, en avoir le temps, la compétence, pouvoir déléguer pour ce qu'on appelle dans le monde de l'entrepreneuriat scaler, c'est-à-dire vraiment dupliquer, répliquer pour accélérer et développer fortement votre patrimoine immobilier. Ce n'est pas restrictif, bien sûr, je vous donne mes trois conseils qui sont vraiment primordiaux pour moi pour commencer à investir dans l'immobilier. Si c'est vraiment la question que vous vous posez aujourd'hui en regardant cette vidéo, je vous invite à mettre en commentaire si vous voyez vraiment d'autres étapes extrêmement importantes, autres que les trois que je viens de citer, pour permettre et aider l'ensemble de la communauté et de la chaîne YouTube Investissement Locatif à progresser et à faire de vos investissements un succès. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres conseils. Ciao!